Eh bien, salut à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu à la miniature et au titre. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'event qui va nous faire passer à la saison OG, je dirais même à la saison Remix. Donc, je sais pas ce que je dois faire actuellement. Il y a les faisceaux lumineux là-bas. Je sais pas ce qu'on doit faire, je sais pas si on doit attendre ici, je n'en sais rien du tout. Ah! Ok, donc là on vient d'être envoyé dans le dans l'événement les gars. Donc en tout cas si cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker, commenter, partager. Et voilà, tout simplement. Nous sommes en tout cas présents pour l'event. On va se prendre une place, on va se bâtir ici tranquille. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour me poser? Je sais que j'ai des trucs pour me poser. Voilà. On va se poser comme ça. Et on va attendre que l'event commence du coup. Donc là ils nous disent dans 9 minutes. Donc bah les gars, je vous fais une ellipse et je vous retrouve du coup quand l'event commence. Les gars, on est à 1 minute de l'event. Donc je vous reprends maintenant donc. Donc espérons que l'event soit bien. Même si normalement on s'attend pas à un truc de fou, j'espère quand même qu'on va être dans un bon event pour passer à la saison OG, quoi, la saison remix. Donc j'ai un jumeau qui a décidé de se mettre dans une marmite avec moi, enfin dans un chaudron. Donc on est deux à être dans un chaudron, hein, pourquoi pas. Ah, peut-être trois. Allez, on est trois! Dommage qu'on a pu, comme le dernier event auquel j'avais réagi, le petit siège là pour patienter. Mais bon, ça je l'avais sur mon ancien compte et. C'est dommage qu'ils donnent plus des trucs comme ça en event pour patienter en mode. Une chaise de camping ou. Enfin, un truc du genre quoi. Allez, encore un quatrième qui va venir longer. Et ce serait génial. Hein. Allez! Ah, ça commence! On est parti! Ok. Donc on a des immeubles qui sont très de spawn, on a le fameux papillon d'event. Mais par contre il commence super bien l'event. Wesh. Ok. Waouh. Ok, donc il parcourt des immeubles, genre. Ah, genre c'est dans la vraie vie là que ça se passe. Genre il y a le concert, il se passe vraiment dans la vraie vie, genre. Ah ouais, c'est pas dans la vraie vie, mais ouais, je pète DR. Ok.
Mais Fortnite, c'est... Oui, ça devient quelque chose, hein. C'est... Voilà, c'est quelque chose, hein. Non mais il est, franchement il est bien le, l'event. Moi j'aime bien en tout cas pour l'instant. Bon après là c'est un concert donc c'est un peu moins bien mais voilà en vrai ça passe. Je suis reposé, ok. Oula attendez j'ai... Bon ok c'est bien c'est un concert mais... C'est long là. Ok. Là l'event il est reparti ou... Il va se passer quoi maintenant? Ouais donc c'est toujours là ouais. Il y a rien qui se passe en jeu. Du coup les gars nous sommes de retour parce que je viens d'avoir un petit problème. Donc c'est bon nous sommes de retour. Je vais juste baisser un peu le son parce que... Donc pour l'instant c'est toujours le concert de lui du coup. Du coup c'est Snoop Dogg, pas Bob Marley, je me suis trompé tout à l'heure. Ou c'est bon, enfin je sais plus. Ah il y a le retour de la fille tout à l'heure, tiens. Et d'ailleurs elle je sais pas c'est qui. D'accord. D'accord, donc il y a rien qui change dans la game. Donc si, il y a juste ça qui a apparu. Mais c'est tout. Il y a juste ça qui a apparu, c'est tout. Ok. Ouais.
What? Ça a changé, wesh. D'accord. Ah, il y a Eminem. D'accord. Wesh. En vrai, le skin Miao Skilemida, je l'aimais pas trop. Mais plus je le vois, plus en vrai, il est intéressant. Ou quoi, en vrai, pourquoi pas. Ouais. Ah, oh, j'aime bien. Pas mal ça. Ok, donc il y a le retour du requin. Donc à mon avis, il y aura sûrement des danses et tout ça qui vont arriver. Et déjà, il va y avoir le retour des snipers, ça c'est bien. Il va y avoir Eminem aussi. Et ça, je suis content. En plus, c'est avec l'une de mes musiques préférées. Eminem Explicit. Et du coup, le fameux Miao Skilemidas. Oh non, franchement, c'est bien. C'est quoi ça? D'accord. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est juste ça? Ouais, et donc? C'est juste ça ou il y a encore quelque chose que... Je sais pas s'il y a autre chose. Non, possible de l'utiliser. Je crois les gars que l'event est fini, du coup bah c'est ça du coup le truc pour attendre. Donc je sais pas, à voir. Alors les gars, du coup on se retrouve après l'événement et du coup bah maintenant on va découvrir la nouvelle saison, donc le chapitre 2 OG. Enfin chapitre 2 Remix, donc déjà l'image d'attente elle a changé. Donc on a cette image d'attente-ci maintenant. Et donc c'est parfait. Alors, peut-être que je vais acheter le pass de combat, mais c'est pas sûr. Go regarder la bande-annonce. Alors bande-annonce qui est un peu buggée, enfin qui bug un peu. Ok. Ouais, ok. Donc, on a le pas. Oh, on voit les coups de passe de combat. Donc, ici, on a le dernier truc que j'ai pas pu obtenir dans le dernier pass de combat. What? Pass musique? Ouais, ok. Donc, le pass de combat a encore changé. Ouais. Rien à ça. Donc j'avais eu ce skin-ci moi dernièrement. Ouais, je m'en fous. Donc ok, donc on voit vite fait comment ça a changé. Donc on a les SUV fourgons. Ici on a l'instrumental et les pistes musicales. Ok. On va juste aller vite fait ici, on va couper la musique pour qu'on puisse s'entendre. Donc le pass musical, c'est quoi? Donc on a ouais, Snoop Dogg du coup. On a
ceci. Je sais pas c'est quoi, mais ok, donc c'est une emote. On a après ceci, donc c'est des micros qu'on peut avoir avec Snoop Dogg. On dirait, ouais, c'est Mercury. Il dirait du chrome. Ça, c'est une musique du coup qu'on a avec. Ok, ça, c'est un revêtement. On a encore une autre musique ou. On a une deuxième musique. Donc, Magenta Ride. Ouais, ok. Éclat de diamant. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on a ceci. Donc, encore une musique. Un micro, enfin une emote qu'on peut faire avec le micro, une petite emote, et ici on a encore une musique, donc ouais non c'est une dernière musique qu'on a avec, on va voir c'est quoi la musique, alors on voit que c'est John Z dessus, on n'entendra pas la musique. Et ici le dernier truc, donc c'est une guitare, encore ça ressemble à du chrome. Ici, on a ceci, une musique. Après, on a ceci, encore une musique. De l'aura, d'accord. Donc, en fait, ça, c'est une nouveauté de Fortnite, l'aura. Ok. On a une guitare, encore une musique, d'accord, après on a ça, donc ça c'est avec la voix à débloquer, mais personnellement moi je m'en fous en vrai, parce que je peux pas dire que j'aime pas Snoop Dogg, mais disons que j'écoute pas trop ses musiques, donc je vois pas pourquoi je prendrais le skin, donc voilà quoi. Alors ici du coup on a le pass de combat. Pass de combat qui coûte 950 V-Bucks et j'ai que 900 V-Bucks pour l'instant. Donc voilà, on verra plus tard. Donc on a quoi? On a un écran de chargement, la pioche, le revêtement, des V-Bucks, une danse, une traînée, un sac à dos, la tenue, qui est du coup la tenue de l'agent chaos féminin, donc directrice du chaos. Ensuite, nous avons un écran de chargement, encore la pioche, mais deuxième version. Une musique, des V-Bucks, un sac à dos, le planeur. La deuxième version du skin, donc là, la deuxième version du skin, elle s'appelle Directrice Spectrale. Ici, du coup, c'est pour le deuxième skin. Donc, on a une image d'attente, une pioche, un revêtement, des V-Bucks, une emote. Donc, ouais, donc ça a un rapport avec le skin, du coup, logique. Le planeur. Et donc voici le skin, et le skin s'appelle Onuple. Ouais, si tu veux, je connais pas, donc ouais. Ici, du coup, on a l'écran de chargement, une guitare, un accessoire de dos, la pioche, le revêtement, des V-Bucks et le skin, du coup. Encore une image d'attente, un accessoire de dos. Un planeur, enfin une traînée, pardon, des V-Bucks, une pioche, une emote,
Et du coup, une deuxième version du skin, du coup. Ici, on a l'image d'attente, la pioche, les V-Bucks, le revêtement, la guitare, l'accessoire de dos, et du coup le skin, du coup, qui franchement, moi, à mon avis, j'aime pas trop le skin Miosclé Midas, mais bon. Ici, on a une image d'attente, l'emote, les V-Bucks, la musique. Le planeur, des V-Bucks, le skin. Et donc c'est à peu près tout. Ici on a des récompenses bonus. On a ça, on a des V-Bucks, on a une musique, une emote, une image d'attente, des V-Bucks, le planeur de truc, l'agent KO. Et ici on peut pas encore le voir. Ici c'est TNT Tina explosif. Donc ça, je pense, c'est en rapport avec comment dire, je sais plus ce que je voulais dire. L'écran de chargement, le revêtement, l'accessoire de dos. Donc ça, on a vu. Ici, du coup, on a la deuxième page où on a tout ça. Des chaussures, donc maintenant on peut équiper des chaussures. Pourquoi pas? Maintenant on peut équiper des chaussures. Alors ça, je ne l'ai pas vu dans le casier. C'est peut-être dans personnage. Je sais pas. Je savais même pas qu'on pouvait équiper des chaussures, honnêtement. Je sais même pas qu'on peut équiper des chaussures ou quoi, donc ouais, ok. Donc le pass de combat, peut-être que je le prendrai plus tard si j'ai les V-Bucks, sinon bah tant pis. Honnêtement, le pass de combat m'intéresse pas trop cette fois-ci, donc voilà. Ici on a Snoop Dogg, donc on a le skin, on a son planeur. Le skin, en vrai, je le trouve réussi, mais voilà, je ne prendrai pas le skin Snoop Dogg parce que bah, j'ai pas envie de l'avoir, simplement. Donc voilà. Donc on a des emotes. Donc dans la boutique, il ressort pas vieux skin Midas. Moi, en vrai, ça me va. Donc non, voilà. C'est jusqu'au 1er décembre que ça se passe. Donc voilà, on va voir pour essayer peut-être d'avoir le skin, on verra bien. Ici, j'ai remarqué qu'on avait une pioche, donc on a un défi Mios Clé. Enfin Mios Midas. Donc on a une faux dorée. Donc une pioche dorée, pourquoi pas. Ici on a tout ça, du coup. Ah, on a les 4 poteaux top. Oh, ils sont pas mal, tiens, les cadeaux qu'on a. Ici on a quoi? On a rien comme cadeau. Et niveau classé, on a quoi? Ah, en classé, on a déjà pour une fois, on a des bons trucs, hein, comme cadeau. Moi j'aime bien personnellement. Pourquoi pas? Donc là les amis, on va vite faire aller en partie pour voir ce que ça donne en partie, et voilà. Donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve en partie. Ok, on est de retour. Donc ouais, en mode c'est l'ancienne île de départ, je pense. Alors, moi j'ai pas connu ce moment là puisque je jouais pas encore à Fortnite à ce moment là, donc mais moi j'ai pas connu du coup ce moment là. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait, ouais. Donc ça change pas. Ici on a le bus de combat qui ressemble à ceci.
Donc on va aller spawn directement, je sais pas moi, par ici. Donc voilà à quoi ressemble la map. Donc c'est la map du chapitre 2 quoi, en gros. On va aller spawn ici du coup. On va aller spawn par là. Alors je suis toujours en mode Halloween, hein, je n'ai pas encore changé de skin ni rien. Je viens tout juste de me connecter pour la première fois après Halloween, donc du coup non, parce que j'ai fait l'événement avec le skin Halloween, mais je me suis compris. Alors, juste m'équipe vite fait, voilà. Donc on peut voir à quoi ça ressemble. Donc on a un phare là-bas. Là, je vois pas c'est quoi. Ok, donc l'agent c'est quelque part par là si je me rappelle bien. Alors j'avais pas joué au chapitre 2, mais je sais où se trouve l'agent. Je vous rappelle que je suis fan de Midas. Je sais que l'agent se trouve au mid. Hop. Alors, il y a des armes que j'aime bien. Ça, c'est quoi? C'est des soins. Ouais, c'est ça, c'est des soins. Donc, ouais. J'espère que j'ai pas trop agrandi mon truc. Bon, ça va. Hop. Alors soit je m'en fous, tu restes. Voilà, on va prendre ça comme ça. Hop. C'est parti. Hop, on va à bord de la voiture. Ah oui, c'est vrai que du coup... D'accord. Alors j'essaie de comprendre comment ça fonctionne parce que putain c'est dur à comprendre quand même. Donc on va un peu rouler en vrai dans les environs pour que du coup ça marque l'endroit que j'ai découvert. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça sur ma voiture maintenant. Voilà, donc j'ai découvert Swenty Sand. Donc voilà. Alors je vous préviens tout de suite, prochaine vidéo, ce sera sur le décor. Donc voilà, on va essayer d'aller faire le premier kill. Ok, c'est quelque chose de super chaud, donc on va pas rester. Je pourrais me faire démonter dès ma première partie. J'ai vraiment envie d'y aller en vrai. Ouais, non. On va pas chercher la merde, on va se barrer. Du coup, on va aller par d'autres endroits et on va aller du coup découvrir le reste. Donc là on va se diriger vers Salty Spring. Ok, on y est. Donc, ici c'est des un petit village hein. Et du coup ici on arrive à l'agence. Ok.
Ok. Donc j'ai mon premier kill. Ça c'est parfait. On va aller par là. Parce que, du coup mon but là ça va être d'aller à l'agence. On va juste aller ici. Et ici on va être à Weeping Wood. Ok, c'est quoi ce genre de colonie de vacances? Ok, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Oh le lama. Ok, let's go. J'ai vu quelqu'un là-bas. Ouais, il est là. Wouah! Wesh, elle fait mal cette arme. Apporte ça, voilà. Donc là pour l'instant j'ai déjà découvert tout ça. Et maintenant on va aller vers la dog agence ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ils l'ont appelé, je sais pas compris. Il va falloir qu'on aille vers l'arrière. Parti. Et du coup ça ben c'est mais le logo des ombres non des fantômes ça. On va prendre un peu ses distances, mec. Voilà. Tiens, tu sais quoi, je vais prendre ta voiture juste pour t'emmerder. Voilà. Merde. Ok. Cette vidéo est déjà trop relou. Je fais déjà de la merde. Ok. Comment on va à l'agence? Il va falloir faire tout le tour. Il y a à peu près ça que je connais moi en chapitre 2. Je vous ai dit chapitre 2, moi je connais. Parce que j'adore Midas. Carburant presque faible. On va se dépêcher. Ouah, frérot, j'ai pris l'AR, je me suis fait dégommer. En plus, j'ai dégommé le pied de caméra. C'est pas grave, de toute façon, on va retourner au menu. De toute façon, les gars, normalement, sur Fortnite, c'est la dernière vidéo... de cette qualité là avec le trépied et tout, parce que maintenant je vais essayer de jouer sur PS4, donc il va falloir que je me connecte et tout, il va falloir que je connecte mon compte sur PS4, fait que j'installe Fortnite et tout, parce que j'en ai marre de filmer comme ça, c'est chiant, en plus moi je tape dans le trépied à chaque fois. Donc voilà, on va voir ce que j'ai déjà gagné pour l'instant dans le pass, à mon avis rien du tout. Donc j'ai les étoiles de combat. On a le sauce aussi ça qui joue.
Donc, ouais, je peux avoir ça. Donc, j'ai. Ah, j'ai même pas de feedback gratuit, je crois. Ah, si, là. Ouais, il faut aller quand même à la page 6 ça, pour les avoir. Ouais, t'as que 200 V-Bucks gratuits, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà, tant pis. Mais j'essaierai de racheter des V-Bucks. J'essaierai. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien quand même avoir le pass de combat. Au moins, je viens du chapitre 2, moi, ça m'intéresserait. Donc, si je peux l'avoir, moi, je dis pas non. Il est où le... Ah, il est là. Hop, on va le mettre et voilà. On va changer de skin ensemble d'ailleurs. Et juste pour le coup, bon, j'ai que celui-ci dans les skins Midas. Donc voilà, on va prendre celui-ci. Le sac à dos. Alors avec celui-ci, j'aime bien mettre une cape. Voilà, c'est celle-ci. Je trouve que ça va bien avec. La pioche, on va prendre. La pioche Marvel. Bon, il y a celle-là que j'aime bien avec Midas. Ouais, pas... ouais, il y a les poches Galaxy que j'aime bien mettre avec. Et sinon, ici. Alors. Mais j'en ai pas vraiment d'autres. Oh, je vais mettre celui-là en vrai. Voilà, bah du coup voilà, on est bon, on est à jour. Donc les amis, voilà, du coup, la nouvelle saison, le chapitre 2 OG, Remix, pardon. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là. Donc normalement, la prochaine vidéo Fortnite se passera du coup sur la PS4 et du coup dans une meilleure qualité si j'arrive à me reconnecter mon compte Twitch. Si on sait le faire sur PS4, parce que je n'ai pas encore été regardé. Mais donc voilà. En tout cas, les amis, moi je vais vous dire à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Guépard. A tchuss, ma biche.